Tu peux emporter avec toi pour une journée François Hollande et en faire ce que tu veux. Qu'en fais-tu? Où l'emmènes-tu? Je l'emmène chez moi au Minguette. Et là où j'ai grandi, ma cité, celle que j'aime, et je lui montre à quel point les choses changent, mais pas vraiment. Ton interdiction favorite que tu t'autorises? Je sais pas si je veux le dire. Je vais transformer ça en nourriture spirituelle. J'ai envie de dire, non, je m'autorise plein de choses. Honnêtement, j'ai pas grand-chose que je m'interdis. Je mange beaucoup. J'adore manger, donc je m'interdis pas la bouffe. Par contre, je fais beaucoup de sport. Qu'est-ce que tu as de M. Pokora que M. Pokora n'a pas? Des nichons. Des nichons. Salut Matt. Planetpeople.com. Adore lorsque tu prends une pause sexy, fais-nous plaisir. Je Non, ma pause. Non, j'ai des pauses sexy, mais je suis très masculine comme meuf. Et moi, c'est plutôt ça. Alors, notre caméraman qui te filme est en fait un paparazzi. Montre-lui de quelle bois tu te chauffes, cogne. Invective, parce que tu crois que j'ai peur d'être frappée, moi? Hein? Tu crois que j'ai peur? Et je rêverais de me battre avec un paparazzi. Ce serait marrant. Attrape le journaliste Lionel Durel qui t'a interviewé. Mets-le à côté de toi et décris ce que tu vois. Je t'en prie, fais place. Bon, moi j'entre. Ne rougis pas. Non, je bougis pas, j'essaye. Non, j'essaye. Je crains le pire. Donc, je mets assis debout. Assieds-toi. Je m'assois. J'aime beaucoup tes chaussures. Ah, bah, c'est pas ce que ma femme m'a dit tout à l'heure. Ah, on n'aurait pas dit. Tu les as quand même mis. Elles sont un peu pointues. Attention à ce que tu vas dire. Fais-nous confiance. Quand on te dit ces chaussures ne sont pas belles, elles ne sont pas belles. D'accord? Ensuite. J'ai peur. Qu'est-ce qui se passe? La coupe, ça va pas? Écoute, bon, ok. Hein. Donc, moi, je me fais aider, donc je pourrais pas dire grand-chose. Ok. Non, écoute, tout va bien. Les gens sont différents et ça me plaît. Tout va bien. Et les chaussures, plus jamais. Les chaussures, plus jamais. Bon, je vous les fais voir quand même, parce que quand même, vous sachez, je sais pas, elles sont très bien, mes chaussures. Moi, je pourrais nager. C'est vrai qu'elles sont un peu usées au bout. Hein, je reconnais que... Je peux partir en... Je nage très vite. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Si je les mets, à mon avis, je peux... Oh, bah toi, tu fais turbo, hein. Et celles-là, elles sont super. Tu vois, par contre, celle-ci, elle pique, c'est un coup de pied. Alors maintenant, ici et tout de suite, rends hommage à quelqu'un de ton choix. Honnêtement, je voudrais... et c'est marrant pourquoi je dis ça, parce que dans ma vie, il y a eu beaucoup d'artistes, mais malheureusement, qui sont morts, à qui je peux rendre hommage, de Janis Joplin en passant par Whitney Houston, en passant par Amy Winehouse, tous ces artistes-là, Michael Jackson, ils nous ont laissé des choses énormes. Mais je pense que j'ai envie de rendre un hommage à tous ces gens-là en ayant été bercés par leur musique et puis en essayant de faire en sorte que comment on dit ça, qu'on se serve de ce qu'ils nous ont laissé comme héritage. Voilà.